Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Warhammer 40 000 Rogue Trader. Passage de niveau, faisons les choses bien, faisons les choses. Choisir une capacité spéciale. Les points de déplacement, non. 4 points de déplacement. C'est quoi les PD? C'est ça, c'est points de déplacement, c'est bien ça. Devient la cible prioritaire de tous les ennemis en cours de tour. Du tour en cours, les attaques de mêlée infligent. Force plus contact, point de dégâts supplémentaires. Vas-y, on fait ça. Voilà. Terminé. Opérator. Jusqu'au tour suivant, l'opérateur. De l'opérateur, la cible est incapable de se déplacer et ses PD sont réduits de moins 3. Réduisant sa capacité de combat et de tir de moins 30 jusqu'à la fin du combat, attaque de monde. Intimide également tous les ennemis présents. La cible provoque également une attaque d'opportunité chaque fois qu'elle attaque. Norme de mêlée, un personnage crée une zone menacée. C'est pas clair ça. Genre, à chaque fois que j'attaque, je remets une attaque. Ou je vais pouvoir faire une attaque d'opportunité à chaque fois que j'ai attaqué, en sachant que je suis limité à une attaque. C'est nul. Ça n'a aucun intérêt. Ah, ça à la limite. Vas-y. Suivant. Ta logique. Pascal est bien plus logique. Ta technométrie, ça n'a aucun intérêt. Connaissance de l'Imperium. Tu es à 35. C'est toi qui as la meilleure connaissance de l'Imperium. Connaissance du warp, tu es à 45 et tu es de loin la personne qui a la meilleure connaissance du warp. Je vais insister un peu sur ta connaissance du warp. Voilà. Je gonflais un peu. Tac. Jusqu'à la fin de son tour, le soldat gagne 4 points de déplacement et ses attaques ne coûtent aucun point de déplacement. Ça me bute. Les actions qui te coûtent des points de déplacement et des espèces de points d'action, ça m'énerve un peu. De toute façon, 120% plus difficile à esquiver. Parce qu'à la fin du tour, le soldat chacune des attaques de zone inflige un nombre de points de dégâts supplémentaires égal au nombre de cibles attaquées. Non, ça me paraît bien. Ça c'est cool. Voilà, je sais pas si c'est ultime, si c'est Game Breaker, mais je trouve ça bien. Heure de gloire obtient des bonus supplémentaires. Pendant son tour supplémentaire, la cible inflige plus X, ça a un point d'officier de dégâts. Tous les effets nazis qui subissaient la cible sont immédiatement supprimés jusqu'à la fin du tour. Ça ne peut pas mourir, ses blessures ne peuvent pas être réduites à moins de 1. Ah, c'est pas mal ça, l'heure de gloire. Ainsi de 3 fois le bonus social de blessure temporaire jusqu'à la fin du tour. Obtient un bonus supplémentaire pendant son tour. Toutes les capacités non offensives coûtent un PA de moins. On s'en fout. On veut ça. On veut de la létalité. Létalité. Même destin, hein, même connerie. Même destin, même connerie. Même bourrin. Pas de spécialité, ok, juste pour un cible est incapable de se déplacer, ouais. Super, intimide également tous les ennemis présents dans un rayon de 5 cases, non. Les ennemis ciblant sa capacité de tir de combat jusqu'à la fin du prochain tour, on peut faire ça, parce que lui il a un peu plus de distance, ça me va. Technométrie s'est déjà améliorée, on va augmenter donc la logique du monsieur, ça me va très bien. Voilà. Et bah très bien. Hop, on refait une sauvegarde parce qu'on va pas se refaire des niveaux à chaque fois. Tac, tac, tac. Ok, prends-moi toutes les squads de crétins et on avance. Ok. Donc, on peut déverrouiller le registre. Il ne se passe rien. Est-ce qu'on peut couper la vapeur? Il me
Maintenant, on peut déverrouiller le registre. On ne peut pas. Est-ce qu'on peut déverrouiller ce registre? On ne peut pas. Il ne se passe rien. Ok, donc il faut qu'il se passe des choses. Il faut qu'il se passe des trucs. Ramenez-vous ici. Répartir l'énergie de la force motrice. Alors, on a du câble jaune qui part ici, qui s'arrête là. Donc lui, je pense qu'on en a un peu rien à carrer, mais on peut toujours regarder. Hein. Partir la force logique de celui-là, vas-y. Et donc lui s'est raccordé. Ah non, il y a des petites. Attendez, il y a des petites. On fait des petites surprises là. Doubt is for the weak. Fermer le relais. I did fine. Okay, il faut que je puisse fermer un relais. Donc qui est alimenté par un câble noir. Non, reste ici. Toi. We are the spearhead of the Imperium. Abelard, le câble noir pour après. Il va y avoir un truc par ici, non? Non. Putain, je me suis fait douiller. Attends, est-ce qu'il ressort par ailleurs? Fermer le relais pour les trucs rouges. Déverrouiller le registre ici. Il ne se passe rien. Ferme le relais. Nothing's impossible for this old officer. Il y en a partout. Il doit se passer un truc. Hein. Il doit se passer un truc. Il y a une petite énigme à résoudre. J'ai du câble noir encore par là, là qui traîne. Hein. Je ne sais où, qui va ici dans les bobines de ces machins là, mais qui ne sert donc absolument à rien. Je pense que je suis juste le pire cap que je dois pas suivre. 95% alimenter le cogitateur. Nécessaire Imperium. Vous parvenez à déchiffrer la litanie technique. Ah, il y a mon café. Excusez-moi. Vous parvenez à déchiffrer la litanie technique apparemment pour accomplir le rituel de la force motrice. Vous devez fournir de l'énergie pour assurer que le relais est fermé. Vérifiez que le registre est verrouillé et que le relais auxiliaire externe est arrêté. L'énergie doit être répartie correctement et le flux ne doit être réinitialisé sous aucun prétexte avant que le circuit ne soit fermé. Entendu. Logique 95%. Il va falloir que je prenne quelqu'un d'un peu plus logique pour avoir 100%. On s'en fout, on a tapé notre meilleure sauvegarde. Accès accordé. Ok. De là, nous avons du câble rouge qui traîne par là. Mais je crois que ça sert à rien. Il ne se passe rien. Pouf, on va aller jusqu'à ce relais où il y a Abelard. Tout semble en ordre. Très bien. Donc, notre câble, il descend là, il disparaît. Il revient ici. On déverrouille le registre là. Tout semble en ordre. On avance, même si ça ne paraît pas être une évidence. On arrive ici. Tout semble en ordre. Ça repart mon canard. Et ça va par là. Ferme le relais. Tout semble en ordre. Ça repart ici. Et ça arrive donc à déverrouiller le coffre-fort. Voilà. Il suffisait uniquement de suivre le câble rouge. Coffre-fort déverrouillé. Retourner vers la voie supérieure. Ça m'intéresse pas, frère. Pas moi. Ah, mais j'ai déjà déverrouillé le coffre-fort, c'est ça? Elle ouvre cette porte. Follow my lead!
Par la voie supérieure, ok, donc bon, c'était bien. C'était bien un petit interlude, hein, c'est pas ce qu'on pensait. Mais on va aller checker par ici ce qu'il y a. Si ça. Ça a pas l'air de franchement monter, mais on sait jamais. C'est les égouts, hein. On descend encore. Hein. Allez, on descend. Pour quitter l'emplacement, collecter les trophées restants. Je suis tout pris. Ouais. Oui, enfin oui. Ils m'ont mis une pression. J'ai pas compris l'utilité de cette pression, mais. Il y avait une pression. Okay. Je suis en train de me demander là si par contre j'avance pas un peu trop. Si en fait les égouts ne sont pas la suite. Puis là, c'est des tréfonds de la ruche. Tireur de la populace. Pour moi, ça ressemble quand même vachement à la suite. On va remonter. On va remonter. Je vais quand même aller défourailler les quartiers supérieurs. À mon avis, les égouts sont la suite. Parce que quelque chose va être barricadé, etc. Il va falloir qu'on passe par les égouts, je pense. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Ok. Ah, il y a un butin. Ici. C'est ce coffre, le fameux coffre-fort que j'ai déverrouillé. Outil démon. Ok. C'est ça que. Okay. C'était ça le fameux coffre-fort que j'ai déverrouillé. La voie supérieure. Bon, allons buter quelques connards. Après tout. C'est vraiment pour la petite ambiance. Hein. Café. Des tas de trucs. Couper l'arrivée de la vapeur. Déjà. Commençons par cela. Ensuite, baladons-nous dans les bois. Halt! I noticed something. Que vous n'y êtes pas. Il y a un petit butin ici. Ah, il n'y a pas un petit butin. Hein. Vers le chargement, vers l'inventaire. C'est pas un petit butin. Hein. Merci. Hein. Quel plaisir. Par là, c'est une autre échelle par laquelle on peut monter, je suppute. On peut venir là, on peut... What is that? Hop. The Emperor favors me today. D'autre à ajouter. On va donc aller par là. Pour voir s'il y a d'autres trucs à désamorcer. D'autres pièges, d'autres machins. I'll lay claim to the stars. Voilà, on fait notre petit tour. Soldat rebelle. Alors, le soldat rebelle, il a l'air de vachement attendre qu'il se passe quelque chose en arrivant de l'escalier. Donc, il va y avoir une petite surprise, le monsieur, je crois. Submit and you'll die quickly. Ok. Barbor. Je peux me mettre là. Oh. We need to investigate. Oh, j'ai trouvé un truc. Ah, ben là. Ici. Je suis pas sûr qu'arrêter à côté des explosions soit une bonne idée. Au milieu. Bardor, au milieu. Abelard, au milieu, mon gars. Vous mettez bien au milieu tous les deux, ça va être parfait. Il dira, t'es bien là où t'es. C'est joli, c'est bien. Charles, tu peux rester là où t'es, toi t'es là où t'es. Argent... Ah bah non, bah il va écouter. Il y a deux places à côté de l'explosif, juste pour vous deux. Let's go, démarrer le combat. Hold on. Oh, oh, il y a un tireur d'élite. Où t'es? Ah, j'ai embrouillé toute la zone en fait. En fait, j'ai embrouillé un petit peu tout le monde. C'était pas forcément prévu comme ça de base, mais d'accord. Si faut en passer par là, ça veut dire qu'il va y avoir une petite baston dans le couloir. Oh là, putain, il y a du monde.
Ah ouais. Ah oui, c'est une sacrée grosse bagarre en fait. Ok. Je vais pas pouvoir me faire un tireur d'élite. Ok. Guided by faith. Voilà, on peut ratater comme ça, comme un gros porc. Moi, je propose de ratater. Voilà. As the emperor commands, I act. Voilà. Parce que si tu viens là, tu vois des choses, tu vois des choses. Rejoice in battle. Sad. Scared yet? Ah, c'est leur fameuse tourelle, c'est pour ça qu'il y a un monde de ouf. C'est leur fameux canon anti-aérien qui nous empêche de faire des trucs. Tac. Will do. Chup. I can see dead people. Anything else? Will do. Il frouffe. Il frouffe le monsieur. Problème, il est réglé. Hop, un petit bout sur Argenta parce qu'elle est pas si costaud que ça, la petite. Voilà. Paf. Let's get to it. Toi, si tu te mets au milieu, tu peux faire tourelle sniper, c'est ça. Okay. Si tu te mets là, tu peux faire tourelle sniper aussi, ça marche. Ok. Chance d'infliger un coup, ouais, un coup critique, c'est ça. Je vais augmenter mes chances de faire un coup crit. Oh. En sniper, c'est très bien. Je sais que ça a été visiblement conçu dans ce flamme, tout ça, un peu close et tout, mais en distance, il marche très bien, le monsieur. Jolie cartouche. Je peux faire une course tout droit comme un débile, ça m'arrangerait. Voilà. Très bien. J'ai besoin que tu suives plus ou moins le même move. My place is at the fort. Tu peux rester gentiment ici. At your beck and call. C'était sûr. Rien à tirer ? Si, il a un connard là. Il y a un connard ici. Reduce the dust. Joli mec. Très joli. It will be done. Très belle action. J'ai vu le gars dans la ruelle là, je me dis. Le gars dans la ruelle. Artilleur. Ah non, c'est un fusilier. J'ai dit c'est un close combat, on va rigoler, mais. Let's make Simplement, il n'y a pas d'humour. Soldat rebelle. C'est un vrai Let's get to it. Oh, c'est des vrais. Here we go. Suffering is part of the trial. Grand battle de sniper, c'est parti.
Alors oui, mais en fait non. J'ai besoin que tu viennes ici. J'ai besoin que tu fasses des dingues. I will bathe this battlefield in righteous fury. Tir de rafale, c'est peut-être pas. Hein? C'est peut-être un peu surcoté. Tu peux shooter ce connard là-haut en fait? Pour savoir. Et avec une balle comme ça? Non plus. Non, tu ne peux rien faire. Ta vie est nulle. Ah, félicitations. Non. Tranquillement. Ton job, ça va être de désamorcer le piège. Je sais pas si on peut le faire en combat. J'ai envie de le vérifier. Je pense que oui, normalement. On devrait pouvoir le faire. Ah, là tu retraites pour faire un piou-piou. Je suis mon capitaine. Pour faire un piou-piou. Ouais, il y a des gens qui commencent à se radiner. Hein. Est-ce que tu peux atteindre ce con? Oh ouais, joli. Allez. Donne-moi ce type. Remarque-moi ce gars. Was that you? Or... Fire in the hole. Alors, c'est quoi? Acte de démantèlement. L'opérateur inflige immédiatement un exploit à tous les ennemis qui participent au combat, puis lance une attaque gratuite contre une cible. Toujours par un coup. Un coup critique, je suppose. Deuxième arme. Je vois pas. Vas-y. Not this scryer's job. That is not my destiny. Bon, je peux pas loquer. Je peux pinguer personne avec ça. Non, oh, bah, c'est ça. En fait, c'est hors de portée, donc c'est pas touchable. On it. Hop, bouge-toi toi-même, on dira. Hop. Hold on. Je suis pas dans le rayon. C'est un peu con que je sois pas dans le rayon. En même temps, je fais ça, mais mec, je vais lui mettre une cartouche, il va mourir quoi. Ah, c'est ça. Voilà, c'était bien. Hein. Running by Neric Override. Inflige immédiatement un exploit à tous les ennemis. Ça marche le truc ou pas là? Très très chelou. C'est ça, je tire avec mon fusil en fait. Ok. Ok, faut prendre. Ok, faut absolument pouvoir toucher avec une arme. Ça roule. On va récupérer la dame ici. Il n'y avait pas des gens ici? Il n'y a plus personne? Oupsi. Redonner une attaque à quelqu'un. Je sais pas, ça a grand intérêt, mais pas pour ça. Ah, il est trop loin. Ouais, il est trop loin, vas-y. Viens ici déjà. Switch à la limite. Passe au bâton. Ok. Impeccable. Let's get to it. Show me what you've got. Les rebelles moroses. Merde. Incroyable ça. Suits my purposes. Nothing of value has been lost. J'avais pas des grenades genre. Ah ouais, mais j'ai pas le droit parce que j'attaquais, c'est ça? Oh les bâtards. C'est pas très gentil d'être méchant. All too easy. Oh, vraiment le speedrun du capitaine quoi. Tard Abelard vous tuera hein, donc vas-y hein.
Indeed. Ah oui, c'est bien, c'était deux son tir. Bon bah... Ah non, je peux faire un petit tir à 1 là. Dans n'importe quel débile. Merci mec. Peut-être que j'augmente leur stat de tir un petit peu quand même. Genre juste un petit peu. Piu. Histoire que ma troupe qui est un peu versatile le reste. Alors Argenta, est-ce que tu veux bien? Voilà. Ok, je me rapproche là. Laisse-moi me rapprocher ici. Ok, je me rapproche. Voilà, j'y suis. J'y suis. C'est là le machin désactivé, hein. Pourquoi? Pourquoi ça veut pas? Merci. Faith without deeds is worthless. Voilà, ce sera moins folle. Ça me fait plaisir. Est-ce que ça m'intéresse vraiment de me déplacer pour tirer? Oh, toujours se déplacer. Se déplacer pour se placer, quoi. Et on n'a pas de tir. Ça moque d'un mode vigilance, hein. Let's make it quick. Time to slaughter someone. Ah, j'ai oublié de bouger la madame, je suis trop con. Peux rien faire. Sûr que tu peux rien faire? Attends, ça me paraît gros, genre je peux pas te mettre là et lui cramer sa face. C'est bizarre. What is this foreboding? Let's get to it. J'en ai pris une bonne dans la gueule. Ça, elle est pas mal celle-là. Tu peux shooter là-dedans, là? Efficace, Pascal. Bien joué, mon Pascal Louan. Pascal ou mon grand chef. Sniper là-haut, il a été fumé. On peut avancer la dame ici. Rien à voir dans ce couloir, tout le monde est mort. De toute façon, tout ce qui nous intéresse, c'est les deux bourrins qui sont hauts qui vont tabasser le cul de tout le monde. Ça va être bien. Je récupère tout de suite. Non, pas maintenant, ça va aller. Est-ce que je peux le one tap? Ça se one tap tout seul, ça a 11 PV, j'en fais entre 11 et 16. Allez, 19, c'est réglé. Voilà. Ça m'a niqué toutes mes actions de move, c'est ça? Ah ouais, putain. Le jeu, il est gourmand, hein. Ok. Ok. On va le mettre là. Et je voudrais faire un petit. Voilà, un petit truc comme ça, ça c'est quoi? Chance d'infliger un coup 100%, attaque afflige un saignement à la cible. Ok. Plus intéressant sur les gros, quoi. I'll pass. Quoi? Absolument. Allez, arrête, tu déconnes là, non! Putain, tu fais chier! Je peux pas faire un coup large parce qu'il y a personne au milieu, super. Viens ici. Et tu yes. Allez hop. Moi ce connard. Donc, impeccable. On va se mettre là parce que je crois que t'as des potes encore dans le coin peut-être. Hop. Ah, on rampe. Ok. Bon, on continue à le molester. Hein. Molestation! Molestation policière! Oh là là, molestation du commissaire. Incroyable. Tu connais la chanson, hein, tôt ou tard, Abelard te tuera. Tu
peux faire un tir précis à Bella, hein, comme ça, avec ça, là. Paf. Ouais, donc, joli, très joli. Bravo, bravo ma gueule. Bravo ma gueule. Voilà. Et puis, bah, cours jusqu'ici, hein. On va se groupir. Hein. Petit rebelle qui est là-haut, qui sent un peu seul. Je vais descendre un peu, là. Les copains, je sens que les effectifs se réduisent. Faites des trucs impressionnants, allez-y. Piou, 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 piou. C'est pas très... C'est pas très impressionnant, les gars. Si je me mets là, j'ai la rangée de 2. Oh, putain, si j'ai la rangée de 2... Si j'ai la rangée de 2, ici. Tu me boostes ma prochaine attaque de zone. Voilà, c'est superbe, c'est magnifique. Et puis tu m'as rancé le connard. Joli. Esthétique. Esthétique. Let's get to it. Que si je me mets là, je peux leur tirer. Non, je peux pas les tirer. Il faut que je me mette là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisqu'on me dit pas si en étant là, je peux quand même toucher des gens ou pas. Non. Et en étant là, est-ce que je peux toucher des gens? Oui, je peux. Ou je peux tuer ce monsieur là. Ça peut être très drôle. Ou commencer à faire toute la série de Binyu là. Ah, on met des gens, on met des exploits, genre de trucs là. Très mignon, très joli, très rigolo. Will do. Can I fall back now? Secousse péril du warp. Ah, ça tourne mal. Les pranks. Voilà. There is movement in the Empyrean. Certes. Vas-y, on passe quoi là? On y croit. Yes. Calcul des armes. Calculez. Faites des trucs. Donne un tour à cette dame. Je devrais pas. Hein. J'aurais pas dû. J'ai encore niqué mon truc. Hein. Joli meurtre. Bravo. Est-ce que si je me mets là, est-ce que je peux te tousser dessus? Ouais. I have read tomes of military tactics. Troisième œil. Un regard sur le papier, ça marche aussi. Ok, on est bon. Me. If you insist, Lord Captain. Good, yeah. Opposing me was your biggest mistake. Bolossage en bonne et due forme. Il y en a d'autres par là, là, des hérétiques. Forge ahead. Bon, pas d'autres hérétiques, hein. Ça a l'air d'être détendu du kiosque. I've seen worse battles than this in my time. Est-ce que si je cours jusque là, à la limite, je change de flingue, est-ce que ça touche? Est-ce que ça peut toucher un truc? Il est pile dans l'angle mort, le petit con. Let's get to it. Fire in the hole. As the Emperor commands, I act. Bon bah voilà. Réponse, bon bah voilà. C'était bien. C'était cool. Ah mais... On donne ce qu'on a dans ses poches, s'il vous plaît. Voilà, on participe à l'effort impérial, je vous prie. Alors, je ramasse des trucs. Par contre, je sais pas trop pourquoi je ramasse des trucs. Hein. Genre, on peut pas les vendre, on peut rien en foutre. Mais... ok. Allez, on vide ses poches. Allez. On y va, c'est pour l'impérium. Pour l'impérium de l'humanité. Allez, on y va, on peut gagner à tous les coups. Ouais, c'est parti, let's go. Ok, un autre bolt. Un autre bolter, classico, d'El Madrid. Ok, on aime beaucoup. Le bolter, c'est stylé. J'aurais même bien aimé d'ailleurs passer plus de gens au bolter, mais visiblement, c'est pas pour tout le monde. C'est quoi ce machin?
thermoplace renforcée. Ok. Oui, les trucs qui vont dans le vaisseau, quoi. Super, c'est cool. Je suppose que c'est à la fin de cette mission que je pourrais utiliser mon techno bonhomme pour améliorer le vaisseau, parce que sinon je ramasse beaucoup de merdier et je sais pas trop à quoi ça sert. Hein, que... pas vous mentir, je suis pas éclairé de ouf sur là. Ah mais il y en a encore par là. Oh, il y en a encore. Bon, il a l'air d'y avoir deux glandus, mais je sais qu'il y a plus de glandus, donc bon. Oh, très jolie petite terrasse aussi, dire. Alors très jolie petite terrasse, messieurs dames. Vu sur quoi? Vu sur Rigor Mortis là, hein, sur la statue. Hein. Ah ouais, ouais, ça se fout pas de la gueule du monde. Hein. Vu sur statue. Something of interest. Ah. I won't tolerate weakness. Weakness me. Never doubt me. Ok. On vient là tranquillement. On détruit cette tourelle, je vois pas pourquoi la détruire alors qu'on pourrait la mettre en service. Le panneau de contrôle de la batterie anti-aérienne présente toute une panoplie de boutons et de leviers mystérieux. Il n'est pas envisageable de la désactiver rapidement, la seule solution consiste à la faire sauter pour la détruire. Mais j'ai un technomac. Voilà. Pourquoi que 50? Pourquoi c'est à barre d'or de... Normalement c'est au meilleur de l'équipe de faire le jet. C'est pas grave. La batterie anti-aérienne a sûrement été construite il y a longtemps, bien avant le début de la colonisation de ce monde. Il n'est donc pas surprenant que les insurgés aient eu toutes les peines à s'en servir. Les protocoles des armes modernes sont incompréhensibles pour les esprits de la machine de fabrication aussi ancienne. Et alors? Ah donc j'ai pas le choix, je suis obligé de la défoncer. Ah, je perds une charge à fusion si je fais ça. Bah, démolis-la. Je trouve ça très minable d'avoir un technoprêtre et d'être obligé de faire sauter une batterie anti-aérienne. Mais bon, ça me fait 89 XP. Allez, fin de discussion. L'arme antique a pété en petits morceaux. A pété l'arme antique en petits morceaux. Yop là. Yop là. Hop, des rebelles, on vide des poches. Il met des panzani, tout ça quoi. Ok. Le bout de vaisseau, nous on était juste en contrebas donc quand on est descendu. Qu'est-ce que ça raconte de beau? Quelqu'un avait eu la mauvaise idée de se reposer ici lorsque les premières explosions ont retenti. Certes. Et ça c'est quoi? Vers le secteur ouest. Ah ouais, oh, la zone est grande dis donc. La zone est grande. C'est quoi ça? Ah oui, non, non, ouais, ok, ça nous ramène tout en bas, c'est bon, on connaît la chanson T4. T4, ça va bien se passer. Bah, il nous reste plus qu'une pseudo-zone, justement, à clinifier. Battu par une arme puissante avant de s'écraser. Parce que, sauf erreur de ma part, on avait déjà observé toute cette zone-là. Je regarde juste s'il n'y a pas un petit butin caché, là. Non. Il va donc nous rester littéralement deux teuteux, je crois, en bas. Parce que là, on raccorde sur ce qu'on avait déjà vu. C'est ça. Bah écoutez, allons éliminer les deux crétins qui sont là. Hein. Ah, il y en a un peu plus de deux. Oh, ouais, super. Ah, super, super. Vous êtes combien là? Des cultistes consacrés. Oh, c'est pas quel, hein. Hop là. Pascal, Charles Pasquale est ici. Oh, je peux pas me mettre dans ta zone de contact. Oh, c'est bien dommage. Je t'aurais bien expliqué des choses, mais. Pas grand intérêt, je vais mettre un barre d'or par là, même si il y a que deux connards à dégommer. Indira, est-ce que tu peux te cacher par là, c'est impeccable. Cassia, pareil. Argenta, un petit peu en hauteur pour avoir un petit peu d'aplomb pour shooter. Abelard, voilà, montre-leur ta petite gueule. Voilà. Charles Pascal, hop, booste les armes des copains. Ceci est un boostage d'armes des copains. Un petit tir de sniper dans. Qui a gagné son petit coup de sniper? Oh là là. Oh là là, ça c'est joli. Oh, il se dessine quelque chose là? Voilà, c'est un tir pour deux. C'est joli. Ça offre des choses. Argenta. Toi, tu pourrais pouvoir tirer là-dedans, je pense. Mm-hmm.
Est-ce que tu m'arroserais pas cette zone là de trou de balle? Tu peux pas. Pourquoi? Pourquoi tu te refuses au plaisir de me shooter tous ces connards là? Voilà, ça c'est beau ça, vas-y. Voilà. Je t'ai chauffé un petit tac, c'est pas vilain. Voilà, 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 ça c'est beau. Voilà. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, ma grande. Nombre de points de fougue égal à 6. Vas-y, fais péter les points de fougue. Fais péter la fougasse. Même si elle est fugace. J'ai surtout besoin d'un tir de 1 dans ce mec-là. Fais-moi un truc joli. Putain. Argenta, dès qu'on peut monter ta carac de tir, on va faire quelque chose. Waouh. Waouh. Wow. Beaucoup de mouvements, hein. Beaucoup de voilà, ça bouge quoi. Si jamais pas à portée, complètement à portée, complètement à portée. Lui, il a pas encore bougé. Je peux le tacler. Ah, je peux pas le tacler. Pourquoi? Moi, je vais lui mettre un obstacle. C'est ça, je pourrais du coup. Ok, vas-y, vas-y. I know what is to come. Anything else? Voilà. C'est joli, Cassia. Cassia elle est à couverte, elle risque rien. Pascal ils vont pas mal le prendre pour ça, je pense. Mais je vais l'envoyer à Bellard dans la tronche. Donc, sur à Bellard s'il vous plaît. Hop, tu peux passer ton tour. Formidable. Hop, un petit tour tout de suite sur Pascal. Pascal, Pascal. Oh mon Pascal. Est-ce que mon Pascal tu me ferais pas un petit tir là? Est-ce que voilà, est-ce que t'emmènerais pas des gens? Est-ce que tu nous offrirais pas un moment de voyage? Joli. Oh, dommage. Mais c'était joli, hein, c'était joli. Ben, bien joué, Pascal. Ça vend du rêve, hein. Ça vend du rêve ce que tu fais. Hein. Voilà. Et puis, non, reste... Descends à la limite d'une case, mais pas plus. Chaos guides me. Oh, le chaos le guide. Oh, get guided. Be gone. Ça, c'est de l'esquive. Hein. J'aurais peut-être pu le garder pour l'autre. En vrai. Voilà, du coup il me reste encore une attaque. Et hop. Voilà. Je récupère tous mes points et je me déplace tout de suite. Allez. Paf, ici. Into un petit coup de hache. On s'en remet un petit. On se place au milieu. Et puis puis je pense qu'on va pomper là-dedans. Vas-y, fonce ma gueule. Halt. I noticed something. J'ai trouvé un truc je crois. Ok. Non là je vais fumer quelqu'un que je connais. Fire in the hole. Voilà. Tôt ou tard, j'ai dit des trucs sur Abelard, hein. Je pense que tôt ou tard Abelard vous tuera, mais bon, vous n'avez pas l'air de vous en soucier énormément les gars. Hop. Ah ouais, c'est un dur de dur celui-là, attention.
Est-ce que je viendrai pas là? Into une charge dans ta face. Alors. Follow my lead. Et ici. Soit en raged. Moi, il est pas content. Tu lui rentres dans la gueule. I'm not interested. Cible est trop proche. Victory is imminent. I took care of this one. Voilà, c'est elle est moins proche la cible. Du coup, la cible est trop loin. Du coup, je peux tirer une balle normale. Oh, là-dedans. Oh, vas-y. Joli. J'aime ce que tu fais, mec. Et ça va booster normalement. Argenta aussi. Super Abelard. Très joli. Très joli tour, bien sûr. Abelard, quoi. Non, y a rien d'autre à ajouter. Hein. Le mec s'appelle Abelard. C'est Abelard. Voilà. Fais-lui une fissure anale. Oula. Fais des choses sur ce mec. Ce mec là. Ok, impeccable. Très bonne journée à toi. Je sais pas si je peux tirer en étant au close là. Genre, ça si je le veux le faire. Ça. Tu m'autorises à le faire? Ok, visiblement oui. God Emperor, move through me. The fire in my heart. Ça ressemblait à un tir un peu douloureux. As the Emperor commands, I act. I'll do it. J'aurais le droit de tirer. Ah oui, mais j'aurais pu tirer maintenant. Oui, bon. Oh, no can do. Comment ça, il est loin. Ah, vas-y, va le chercher là. Vas-y. Allez, frouf. Voilà, frouf. Terminé. C'était bien, hein. Très joli combat. Et ça prend des niveaux. Oh là là, c'est du niveau facile. Hein. Vous mériteriez même pas de prendre vos niveaux. Hein. C'est un peu trop fastoche. C'est vraiment, on joue comme des débiles, ça passe quand même, quoi. Voilà. Un butin qui a été repéré grâce à un petit jet de vigilance réussi, bien sûr, durant le combat. Pyromane, des trucs, on peut aller voir des trophées, des machins. Qu'est-ce que ça raconte ? Les joyeux murmures de la fontaine semblent se moquer du chaos et de la désolation alentour. Bah, parfait. On aime se moquer du chaos. Car les chaos, c'est des connards. Code de maille de type moyenne. Propriété de base d'armure, plus 5% d'armure contre les attaques à distance. Intéressant. Très intéressant. Pas de piège ici, rien à ajouter. On est bon, on est souple. Ok, impeccable. Impeccable. Donc à notre stade, on peut soit s'enfoncer dans les égouts, soit partir dans le quartier ouest. J'ai très envie de redescendre dans les égouts. Parce que je me dis, le quartier ouest, c'est sûr, c'est la suite. Et donc, si c'est la suite, il faut qu'on aille aux égouts. Il faut qu'on aille aux égouts, c'est une obligation. Vers l'entrepôt, vas-y. Allez, let's go les poulets, on y va, Lyon. I'll lay claim to the stars. Ah oui, tout prendre, j'ai oublié de clean quelqu'un. Oh ouais, j'accepte de prendre tout le reste. Et quelqu'un que j'ai oublié de nettoyer. Ok. Donc, vers les égouts. C'est ici. Et bah, repassage de niveau, quoi. Hein. C'est vraiment systématique. C'est systématique ou c'est dans le prochain épisode, hein. Bougez pas, je vérifie quand même. Hein. Je voudrais pas. Voilà, 50 minutes, les gars. Hein. C'est dans le prochain épisode. Hein. Je vous remercie, c'était Knarfonk sur Comme d'habitude Gaming pour Warhammer 40 000 Rock Trader. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.